Bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Oh là là, quel accueil! Magnifique! Je suis donc Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action. Et c'est un immense bonheur de vous accueillir aussi nombreux, toujours aussi nombreux à l'occasion de notre nouvelle séance du Ciné-Club Univers Convergent qui nous est proposée par l'IHP. L'IHP est dirigé par Cédric Villani et co-dirigé par Jean-Philippe Uzan. Jean-Philippe Uzan. Jean-Philippe Uzan, qui est notre astrophysicien et cosmologiste préféré. Oui, c'est une déclaration, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Bienvenue, non, bienvenue au Grand Action. Je fais bien de venir tous les mois ici. Je pense absolument. Ah, bah, écoute, vraiment, un mois sans toi n'est pas un vrai mois. Et Jean-Philippe programme le ciné-club Univers Convergent avec toujours une créativité absolument sans borne. Tu es aidé dans cette tâche par Quentin Lazzarotto, responsable du pôle audiovisuel et lui-même réalisateur. D'ailleurs, nous attendons avec impatience ton prochain opus sur cet écran. Tu le sais, Quentin. Alors, ce soir, nous allons voir Out of the Present. Nous avons la joie, l'honneur de recevoir Andrei Ujica. Bonjour, Andrei. Je suis très 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 heureuse de vous accueillir. J'ai énormément, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et il y a dans cette salle, je peux vous le dire au creux de l'oreille, de jeunes cinéphiles qui vous admirent énormément et qui sont très contents que vous soyez là. Merci. Bienvenue, bienvenue au Grand Action. Nous allons avoir pour nous éclairer François Arnoux, historien des sciences. Jacques Arnoux. Mais oui, il est où? Jacques s'est mis au fond. Parce il s'est mis au fond. Jacques Arnoux, il nous rejoindra après la projection. Voilà. Qui est spécialiste des questions d'éthique au CNES. Voilà, donc. Bienvenue, Jacques. Et il faut également signaler que ce film est distribué par Ronald Chama, ici présent, des films du Camélia. Bienvenue, Ronald. Et il n'est toujours pas arrivé, il est peut-être encore dans l'espace, mais on attend Jean-Pierre Aigneret aussi, puisque lui est allé sur la station Mir, qui est la scène principale du film. Donc on espère qu'il va arriver avant la fin. Et Cédric nous rejoindra aussi. Donc voilà, je pense que la question du temps est centrale dans le film, et on voit là qu'aujourd'hui, tous les protagonistes ont pris leur propre temps pour se réunir ici. Donc on va voir, j'espère qu'on va réussir à être en concordance d'ici une heure et demie. Ok. Bonne séance, profitez bien. Excellente projection. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Николай. Я хочу сказать, что наш тут экипаж смешанный международно беседует с вами сейчас. В ЦУПе, обновленном ЦУПе. Я имею в виду, что карта ЦУПа уже обновлена, Прибалтика выделена в другой цвет, Курилы краски уже готовят заменить на другой цвет. Ребята, вопрос такой, для короткого ответа. Что на Земле больше всего вам нравится оттуда, из космоса? Наверное, то, что мы не видим. Нет, нам нравятся люди на Земле. К сожалению, мы их отсюда не видим. André ? Oui, Jacques aussi. On va commencer. Donc vous avez vu, c'est bien différent de Gravity, hein, pour ceux qui étaient là.
la station est moins bien rangée que dans le film. Bon. C'est pas vraiment la, la fin, c'est coupé un peu. C'est bon ? Il faut l'allumer, c'est bon. Oui, allô ? Bon. C'était coupé un peu ici à la fin parce que ça passe souvent parce que les dernières séquences sont dans le noir. C'est la caméra qui est dans le cosmos. Et après, on revient aux images du début du film. Cette transmission comme de télé de la station spatiale et on écoute la caméra, ça, elle marche toujours et c'est le commandant de vol qui demande de la Space Control, de Mission Control et le cosmonaute dit oui elle marche, elle dit laisse marcher, c'est ça, et après c'est le générique. Donc peut-être qu'il serait intéressant pour commencer, vous nous racontiez un peu, parce qu'au moment où vous avez eu l'idée du projet, bien sûr, on ne sait pas que Krikaïev va rester aussi longtemps dans l'espace. Donc comment ça s'est passé ? Comment vous avez vécu, vous, depuis la Terre, en fait, tous ces événements ? Et puis peut-être un peu nous parler quel était le propos que vous avez voulu faire, construire autour de cet événement ? J'ai commencé le projet après la... Le vol, après la mission. Ouais. Tout s'est commencé, j'ai lu un petit article, un fait divers, dans Der Spiegel, le magasin allemand, et dans lequel c'était noté cosmonaute oublié dans l'espace. Parce que, ouais, parce qu'au début, la légende était que Krikalev est... à cause de tout ce troublement sur la Terre, le putsch de Moscou, la disparition de l'Union soviétique, il était oublié là-bas et que les Russes n'ont pas d'argent de lui récupérer. Et c'était la propagande de la presse de boulevard. Et ça a émouvé beaucoup de gens et des enfants en Australie, des enfants d'école, ils ont commencé de collecte d'argent pour ça. Et j'ai devenu très, très intéressé sur cette histoire. Ça, j'étais à cette époque-là à Berlin. Je travaillais au montage du premier film que j'avais fait en collaboration avec Aaron Farocki. Et quand j'ai lu ça, j'étais vraiment tellement fasciné, mais j'étais fasciné par cette construction très classique, cette dispositif complètement inattendu. J'ai compris que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un quelqu'un d'entre nous, il est capable de regarder la fin d'une époque de l'histoire de perspective divine, de perspective olympique, d'Olympe. Oui, ça. Et c'était ça le primum movens, la chose qui m'a fasciné. J'ai décidé de faire le film à tout risque. Oui, ouais, alors vous... utiliser là pour la première fois l'idée de position divine, mais effectivement ce qui frappe quand on voit le film, c'est qu'on a l'impression qu'il y a en haut c'est comme le paradis et on a une chute du paradis. Là-haut c'est tout le monde s'embrasse, on joue à des petits jeux comme quand on est gamin, on lance des avions, on s'amuse, on se moque, il n'y a aucune contrainte, on est tout léger, évidemment. Et puis, quand on redescend, on les voit, au contraire, ils ont l'air de vieillards, ils sont très, très lourds, on doit les mettre en fauteuil roulant, on leur met des lunettes noires, comme s'ils étaient punis, comme si tout était lourd, comme si d'un coup, ils se remettaient à porter tous les péchés possibles.
C'était une grande découverte pendant le travail au film, quand j'ai parlé avec les cosmonautes, avec tous, le Artsibarski, le Krikalev, etc. Et j'ai compris que le mot dépression pour notre dépression, il est vraiment très exact, très précis. Notre dépression est aussi la cause physique de notre dépression est la gravité. Et que notre pensée, ils sont tirés toujours. Qui porte bien son nom. Qui porte bien son nom. Vers la terre. Et que la pesanteur un état prolongé. La première semaine, le premier jour, c'est horrible. Oui, parce que. C'est pour ça qu'ils sont entraînés de ça. On a c'est une nausée continue, c'est très très dur. Oui. Mais ça transforme dans le contraire. C'est une sorte de. Comme une drogue. Oui. Ils sont high tout le temps. Alors justement, qui sait, c'était toi qui parlais de Gravity. C'est la fin de Gravity, ouais. Elle tombe et puis elle se relève et c'est qu'un grand élan. Mais là, on les voit pas du tout se relever quand ils reviennent sur Terre. C'est et c'est pour ça que à partir d'un moment, on récupère l'innocence primordiale. C'est une différence. Il ne devient pas infantile comme, je sais pas, comme les hommes qui jouent avec de trains sur l'arbre de Noël, des choses comme ça. C'est naturel. C'est une récupération de l'essence de l'enfance. Comme le fœtus dans le ventre qui ne subit pas la gravité. C'est exactement ça. Et ça, c'est lié aussi à une question très physiologique, parce que dans la pesanteur, le libido est réduit presque à zéro. Et on revient dans cette stade angélique devant la puberté, qui est vraiment probablement un très grand bonheur. Et c'est comme ça. Et parce que la sensualité, c'est comme l'énergie, elle disparaît pas, elle se déplace vers un autre organe, et ce sont les yeux. C'est-à-dire que leur extase et l'euphorie continue vient de cet regard de leur vision de fenêtre sur la terre, sur la nature, qui est, ils m'ont dit tous, c'est indescriptible. L'image qu'on a filmée, c'est très peu de la vérité, de ce qu'ils voient avec les yeux dans cette situation spéciale de apesanteur dans lequel la circulation c'est différent, probablement le regard est à une intensité. Donc vous savez tout maintenant. Ouais. Alors ce qui est intéressant d'en parler un petit peu avec Jacques tout à l'heure, ce que je dis, mais là on voit qu'il y a Helen Sherman qui est en Britannique, qui va avec les soviétiques de l'époque sur la station Mir. On sait qu'il y a eu beaucoup de collaborations, mais on a cette image en fait des premiers temps de la conquête spatiale où c'était plutôt une compétition. Et en fait, tu m'as dit en fait c'était pas vrai. Il y a toujours eu ce côté compétition collaboration un petit peu spécial. Et je pense que ça serait pas mal d'éclairer, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire qu'on a, on voit les premières phases comme une compétition, une course à l'espace, une course à la Lune, et puis ensuite une époque de collaboration. Alors et aujourd'hui où on est arrivé sur vraiment cette station internationale où tout le monde collabore ensemble. Est-ce que peut-être, toi qui travailles au CNES, tu peux un peu nous... Oui, essayer de nous... Oui, bonsoir. Non, parce que j'espérais que Jean-Pierre Aigneret compléterait ce que vous venez de dire, parce que je crois qu'il y avait aussi une expérience immédiate. On l'a perdu dans l'espace. On l'a perdu, je ne sais pas, ces gens de l'espace. Juste quand même, si tu permets, pour compléter, parce que moi, Jean-Pierre Aigneret a volé dans cette station Mir à deux reprises, je crois en 1995, et puis il a passé 6 mois entre 98 et 99, de mémoire, c'est à peu près ça. Et,
Et j'ai eu la chance, quand il est revenu sur Terre, que plus d'un an après, il m'a contacté par le CNES, me demandant de l'accompagner dans la publication des milliers de photos qu'il a pu faire pendant ces 6 mois. Et le plus étrange, c'est que j'ai retrouvé des photos dans votre film. C'est-à-dire que Jean-Pierre m'avait dit, tu sais, quand on passe 6 mois à tourner à 92 minutes, vous avez entendu, pour faire le tour de la Terre, au bout d'un certain temps, la Terre nous devient familière. On peut fermer les yeux, les rouvrir, et on sait exactement à quel endroit on se trouve. Même la forme des nuages permet de savoir au-dessus de quel pays on se trouve. Et le plus drôle, c'est que dans les images que vous avez choisies, j'ai retrouvé des endroits que Jean-Pierre m'avait montré en disant « Voilà, cet endroit-là, j'ai... » Et donc, il y a cette familiarité avec la Terre qui est assez, assez surprenante. Mais je dis ça parce que par rapport à ce que vous disiez sur l'impact psychologique de voir la Terre d'une manière extraordinaire, je ne sais plus quel mot vous utilisez, mais que ça vient presque une drogue, Jean-Pierre m'expliquait, vraiment, je suis désolé qu'il ne soit pas là, parce que c'était à lui d'expliquer, mais tant pis, je vais me faire son intermédiaire. Il s'est passé plus d'un an entre le moment où il est rentré, et sans doute dans un état assez proche de celui que vous avez pu voir. Je me souviens des images de lui, très, très affaibli, blanc comme un linge, simplement parce qu'il n'a pas été au soleil pendant 6 mois, mais puis d'autres choses. Et il m'a dit, j'ai mis plus d'un an avant d'ouvrir ma boîte à images. Il avait un tel souvenir très particulier, je pense, de cette expérience visuelle de la Terre vue de l'espace, que voir ces mêmes images sur un bout de papier, ça n'avait plus rien à voir. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a fallu autant de temps pour accepter de ne plus voir la Terre depuis une station. Et il les reconnaissait justement les images ou c'était de... Ah oui, alors là, il m'a sorti des milliers de photos. Bon, et il me disait, ça c'était l'endroit, mais il n'avait pas besoin d'aller retourner, il n'avait pas besoin de prendre une carte. Une fois encore, une forme de nuage, pour lui c'est suffisant. Ça c'est des nuages de tel pays. Ça, c'est au-dessus du Pacifique, à tel endroit. Et quand on vérifiait après, on se dit, oui, c'était ça. Alors, c'était terrible pour choisir quelques images, parce que, tout était évidemment... Il voulait vous montrer que des nuages, d'ailleurs. Il voulait faire un... Vous avez aussi toute la partie... C'est très beau, le passage où vous avez des clichés. Au bout d'à peu près d'une heure, de nuages. Et ça, alors, il a dû adorer ce passage-là parce que j'en ai vu des centaines. Mais on comprend pourquoi au bout d'un certain temps. Parce que petit à petit, vous dites, c'est notre Terre. C'est quand même la grande leçon quand il vient, c'est notre Terre. Enfin, ça, c'est... Alors après, bon, il y a ce que tu disais. C'est vrai que l'image qu'on a, et qui n'est pas totalement erronée, c'est que ça, c'est la dernière étape d'une grande lutte de compétition, la guerre froide, et c'est la fin de la guerre froide. C'est vrai pour une grande partie. Et d'ailleurs, mais la compétition, je le disais aussi, continue encore aujourd'hui, avec d'autres acteurs, d'autres enjeux, parfois plus économiques, moins politiques, quoique. Les Chinois, mais voilà, il y a les Chinois, et c'est pour les mêmes raisons, des problèmes de stratégie, des problèmes de diplomatie, des problèmes d'affirmer sa puissance technologique. Et en même temps, ce qui m'a toujours étonné quand je l'ai découvert, c'est que les mots de coopération étaient présents à la naissance même du spatial. Quand Kennedy lance son programme pour aller sur la Lune, il propose, même s'il sait bien qu'il aura risque d'essuyer un refus, il propose au même moment à son homologue soviétique de faire un programme commun. Et bon, ce ne sera pas le cas, mais il va falloir attendre quand même une dizaine d'années pour que... Mais avant, donc, c'est ce que vous filmez. En 1975, c'est là quand même la célèbre mission Apollo-Soyuz. Imaginez vraiment en pleine guerre froide que des soviétiques qui ne parlent que russe, qui boivent que de la vodka, se mettent à parler, essayer de parler américain avec des américains qui ne parlent qu'américain et boivent que du coca. C'était une grande aventure avec un aspect. Alors il n'y a peut-être pas de libido dans l'espace, mais je vous assure qu'il y en a une sacrée au niveau des ingénieurs du sol. Parce que
il fallait imaginer un système où une capsule Apollo rejoignait une capsule Soyouz. Alors, qui va être le mâle et qui va être la femelle? Parce que c'est ça, hein, le système. Et il a fallu des semaines et des mois pour imaginer un système où personne n'était le mâle, personne n'était la femelle, une espèce de système androgyne. Donc, la libido, peut-être plus après, mais alors avant, c'était un maximum. Il y a eu cette mission Apollo, donc Apollo Soyuz en 1975, avec trois Américains et deux Soviétiques qui ont passé plusieurs jours ensemble. Et ça, c'était un moment important. Mais auparavant, puisque on est en France, et je te le disais tout à l'heure, on a fêté en 2001 les 50 ans du CNES, quand donc le CNES n'a que quelques années et va tout de suite établir des coopérations aussi bien avec les Soviétiques qu'avec les Américains. Donc c'est pour ça que l'image de la lutte de la compétition, elle est réelle, elle existe encore aujourd'hui, et en même temps, l'idée d'une coopération est née quasiment avec les premiers moments de l'homme dans l'espace. Et ça, c'est toujours intéressant de se le rappeler. Enfin, je trouve, c'est un message assez positif. Alors, si je ne sais pas, c'est peut-être une espèce de drogue, c'est peut-être que... Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est la réalité. Oui, mais existe aussi une autre chose, c'est aussi chez les cosmonautes un sentiment très, très accenté, une conscience très forte qu'il forme une élite très spéciale dans le monde. On est toujours, aujourd'hui déjà, ils sont autour de maximum 1000 personnes qui ont été... 550. Combien? 550 ou 550. C'est, 500. Ils sont moins de 600. Moins de 600. Moins de 600. Okay. Moins de 600 dans toute l'histoire de l'humanité. Ça c'est un club, vraiment, ça, c'est le plus exclusiviste club du monde. Et ils se rencontrent toujours, ils restent entre eux, ils ont une sorte de complicité très très spécial, qui est au-delà de la complicité de tous les vétérans de guerre ou de choses qui existent comme ça. Mais c'est vrai que leur conclusion, là, en général, ils sont des gens pas très pragmatiques, pas très poétiques, parce que le russe, surtout dans ce métier, parce que les commandants des vols sont des pilotes de guerre, de chasse, et l'ingénieur de vol, comme Krikalev, c'est un électroniste, c'est un technicien, ouais, c'est ça. Ils ne sont pas des poètes. De temps en temps, quand un de deux cherche de passer d'écrire des poésies et de faire des peintures, c'est du kitsch horrible, comme des gens qui ne sont pas d'artistes. Mais en même temps, l'expérience fondamentale dans laquelle ils sont confrontés, ça, c'est clair pour tous. C'est notre Terre, ça c'est vrai, qui dans l'espace, c'est une merveille. La Terre est d'une beauté incroyable. Et en même temps, elle est solitaire parce que tous les autres, le corps céleste, ils sont très loin et ils sont des déserts. Et en même temps, on voit toujours elle est énormément fragile parce que l'atmosphère, c'est comme une épiderme. C'est très fragile, tout ça. Et en plus, c'est le problème du temps du cycle temporel qui devient essentiel. Ça suffit de s'éloigner 450 km ou 430 km de la Terre, ça c'est un peu Paris-Strasbourg, en hauteur pour être, c'est ça l'orbite de station spatiale, pour voir que c'est toujours la nature qui est dans sa entier qui est au-dessus de l'histoire, et que le temps historique c'est seulement un cas particulier du temps éternel de la nature, et tous les
les proportions s'échangent. C'est pour ça leur réaction très bizarre et très distancée d'événements historiques ou surtout politiques. Le politique, c'est ridicule. Ça se devient complètement ridicule. On est confronté avec plusieurs calendriers, parce que c'est vraiment une rotation, une orbite de la station Mir, c'est 92 minutes exactement. Et c'est ça exactement la durée du film. Le reste, c'est le générique. Je fais le film chaque fois quand le film roule, c'est comme une orbite, une rotation. Dans cette 92 minutes, qui est la longueur d'un film classique, on a jour et nuit, 45 minutes jour, 45 minutes nuit, et les quatre saisons. On a le cycle de la Révolution et le cycle jour-nuit. Tout dans une rotation qui dure comme un Hitchcock, un film très classique. Et ça, quand on fait ça, je ne sais pas, 6 mois ou 4 mois, parce que dans un jour terrestre, dans 24 heures, ils ont 16 rotations. Et ça, ils sont une sorte de spirale. Seulement après, il ne revient pas toujours exactement sur la même. C'est l'orbite, c'est une spirale, et après, encore une fois, c'est la même chose. C'est ça qui c'est un complètement changement de perspective. Ouais. Jacques, tout à l'heure, tu m'expliquais, tu me disais le CNES, donc tu es responsable de. Oui, vas-y, c'est mieux si je dis rien. Non, je pensais à deux choses en voyant votre film et le fait effectivement de ces spectateurs sur leur grand balcon, parce que c'est le plus haut balcon qu'on puisse imaginer actuellement. Il y a eu le petit balcon lunaire à une époque, mais là maintenant c'est le plus haut balcon qu'on puisse imaginer. Et dans l'histoire de la littérature, il y a, je ne dis pas que c'est le plus ancien auteur de science-fiction spatiale, mais en tout cas c'est un des rares avant l'époque moderne, il s'appelait Lucien de Samosate. Et Lucien de Samosate avait, au IIe siècle après Jésus-Christ, avait imaginé, c'est en fait une satire politique, avait imaginé que son héros, l'Icaroménippe, comme on l'appelle, avait réussi ce que Icare n'avait pas réussi, et à s'échapper et à s'envoler. Et donc il avait combiné, au lieu de mettre des ailes, il avait une aile d'aigle, une aile de vautour, avec ça, et ça marchait. Donc Icaroménippe décolle, enfin il commence à s'entraîner un peu, et puis il est beaucoup plus prudent, plus qu'Icare. Il décolle. Et il arrive sur la Lune. Et là, arrivé sur la Lune, il regarde la Terre. Et il y a quelques pages, c'est une satire politique, qui irait très bien par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il voit les histoires des gens, les changements politiques. Enfin, il y a une description, justement, de ce côté terrestre qui ne cesse de bouger, qui grouille. C'est comme une fourmilière. On voit les gens qui poussent leur chariot. Enfin, et puis donc, il décide de repartir et il s'éloigne de la Lune. Mais il y a quand même une expérience absolument analogue à celle de Krylev, en fait, où ce brave Icaroménippe voit le côté assez bas de la Terre. Au fond, c'est superbe la Terre, mais enfin, les gens qui sont dessus, il est un peu méprisant. Et l'autre chose sur le... Parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve extraordinaire dans l'aventure que vous avez filmée et que vous nous présentez, c'est sans dire qu'en fait, on l'avait déjà faite, pas du tout. Avant Gagarine, personne n'avait fait cette expérience-là, physiquement. Et elle est unique, comme vous le disiez à l'instant. Si ces 500 ou 600 astronautes, cosmonautes, taïkonautes sont une forme d'élite, c'est parce qu'ils vivent quelque chose de tout à fait unique humainement. Mais on l'avait imaginé pendant des siècles et des millénaires. C'est ça qui est génial, c'est que l'avoir enfin incorporé. Et de voir comment on l'avait imaginé, comment l'imagination humaine a réussi à prévoir des choses, mais pas tout. Donc, Samosate, Lucien de Samosate sait le faire, et je pense aussi souvent, évidemment, quand vous parliez de ces différentes vitesses, au célèbre Petit Prince, et l'allumeur de réverbère, et la planète qui tourne de plus en plus vite, et la consigne qui ne change pas. Donc quelque part, on a aussi derrière tout ça ces contes où brutalement le rêve, l'imaginaire se concrétise, et c'est encore autre chose qui apparaît, parce que
parce que ces gens-là, comme vous dites, reviennent sur Terre. Et là, il s'agit de, à la fois de réincorporer la réalité terrestre qui, elle, ne tourne pas plus vite, la même consigne. Enfin, c'est ça qui est, je trouve, assez fascinant. Et c'est pour ça qu'il faut, faut témoigner de ce qui se passe là-haut, si je puis dire, parce que c'est désormais une part d'humanité. Comme vous disiez, la distance qui nous sépare, c'est que 430 km, c'est rien. Donc, c'est la banlieue terrestre, et c'est de plus en plus la banlieue terrestre. Donc il faut... Il ne faut pas oublier ce qui se passe au-dessus. Voilà, après, vous voulez poser une autre question. Par rapport à ce... Donc, plein de déchets, en plus, comme, tout, comme chaque banlieue. D'ailleurs, on a vu, on en a vu un qui est pas... Non, mais vraiment, un cochon, c'est toujours ça, parce qu'on a réussi de faire une... C'est toute une poubelle autour de nous, parce que tous les déchets de centaines et centaines de missions spatiales, ils... tourne autour de nous. C'est horrible. Vous pouvez voir la carte sur Internet. On voit tous les petits corps qui sont traqués et on voit vraiment la pollution par tous les petits objets, les petits écrous, les machins. Vous avez vu Gravity, donc c'était une des illustrations les plus... Enfin, les mises en scène les plus spectaculaires de ce que, effectivement, on peut avoir au-dessus de nos têtes. Qui a vu Out of the Press, il a bien étudié ça. Oui. Ouais. Mais bon, mais ça c'est connu, il a dit ça, il a utilisé ce Out pour ça, je ne sais pas, ses recherches. Ouais, j'aime bien quand on me dit, là, on a transformé l'espace en poubelle, parce que je disais si seulement, quand même, il faut quand même se dire que la poubelle c'est une grande invention dans la gestion des débris et des déchets. Donc le jour où on découvrira la poubelle de l'espace, on aura fait un grand pas pour l'humanité, comme disait l'autre. Mais bon, alors en même temps, j'aime bien, non pas protéger, mais quand même défendre mes copains du CNES. Je suis désolé, il n'y a aucune activité humaine qui ne puisse pas produire des déchets ou des débris. D'ailleurs, n'importe quel organisme vivant ne cesse d'en produire. En venant soir à une magnifique soirée, on en a tous produit, peut-être pas des tonnes, mais on en a fait pas mal aussi dans ce domaine-là. Donc, la question, c'est... Parce que les déchets naturels, il y a des cycles qui marchent plus ou moins bien, plutôt bien. La question, c'est les déchets culturels. Je ne sais pas ce qu'il en est des mathématiques, mais même les mathématiques font des déchets, je suis certain. Hein. Bon. Donc, le problème, c'est de trouver... Non, mais c'est une question qui est... C'est une question qui est importante chez nous. Hein, parce qu'il ne faut pas croire que... Par exemple, moi, j'étais très choqué... oui, j'ai bien vu partir ce déchet à un moment donné, et ça arrive malheureusement, mais je ne sais pas si vous avez vu toutes les ficelles. Au même moment, il manipule dans l'espace, il y a des ficelles partout, parce qu'il ne faut pas que ça parte, justement. C'est très dangereux, y compris pour eux. Toute une partie de ces déchets disparaît parce qu'il revient dans l'atmosphère, et c'est brûlant. Alors là, j'avais une question, l'histoire du ballon sur le vaisseau cargo, c'est pour ça qu'il y avait un ballon, pour essayer de freiner les choses ou... C'était un expériment payé par je ne sais pas qui, aucune idée. C'était l'idée, si c'est possible d'avoir un ballon dans l'espace, mais dans l'espace on a du vide, je ne sais pas avec quel gaz ils ont cherché de faire ça, ça n'a pas marché. Je crois que ça c'était prévu pour l'idée de pour lancer plus économique des satellites ou de météo ou des choses comme ça, mais ça n'a pas marché. Ouais. Parce que justement aujourd'hui le souci de ces déchets est un réel souci. Enfin pas aujourd'hui, depuis au moins une vingtaine d'années, sinon plus dans les agences spatiales. La raison, vous l'aurez compris si vous avez vu Gravity précisément, c'est que se prendre un débris même petit dans la figure quand on est un astronaute, vous avez vu une sortie extravéhiculaire, ça se passe très vite. Parce que là, tout ça, on voit, si on ne regarde pas trop vers le sol, même en regardant vers le sol, on a l'impression que ça ne se passe pas très vite. C'est 25 000 km/h. Donc il n'y a pas du vent dans les cheveux, parce que c'est pour ça qu'ils se coupent les cheveux. Et donc des objets qui se rencontrent, chacun volant à 25 000 km/h, ça fait très mal. Et les astronautes, c'est un des dangers. Hein, c'est qu'ils sortent dehors avec leur petite combinaison, même s'ils sont pluricouches, se prendre un petit boulon, même un éclat de peinture, ça peut percer la combinaison et ils sont obligés, évidemment, de rentrer assez rapidement à la maison.
La question de la gestion des débris est une question qui a été sans doute un des premiers problèmes qui a été pris en compte, justement, pas seulement par une agence, mais petit à petit par toutes les agences qui aujourd'hui se mettent en place des codes de bonne conduite en disant, précisément, on réduit au minimum vraiment la production des déchets. Parce que, comme je vous disais, on ne peut pas... L'espace est une activité humaine comme une autre. De ce point de vue-là, dès qu'on fait une action, il y a nécessairement des déchets et des débris. Ce qu'il faut, c'est essayer d'en faire le moins possible et de les maîtriser le mieux possible. D'où ces bouts de ficelle partout pour empêcher les objets de se barrer. Même, alors il y a des histoires, les gants d'astronautes qu'on a perdus, les panneaux solaires, enfin il y a des trucs encore plus importants. Heureusement, c'est pour ça que je vous pose la question, alors, on a l'incinérateur naturel qui est l'atmosphère, parce que quand vous débarquez à plus de 25 000 km/h sur une couche d'air, ça fait chaud, donc ça brûle. C'est pour ça qu'il y a des météorites. Je crois qu'il y a une spécialiste des météores et des météorites. C'est ce qu'on voit. C'est en fait l'entrée d'une pierre dans l'atmosphère. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accélérer le retour de ces engins dans l'atmosphère. Et donc, pour ça, je me demandais si ce ballon ne pouvait pas être une tentative de structure gonflable pour essayer de ralentir l'objet et donc d'accélérer en fait sa descente dans l'atmosphère et qu'il reste le moins longtemps possible en hauteur. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Donc il y a quand même des choses bien qui se font là-haut, enfin, respectueux de l'environnement spatial, on va dire. Mais comme on l'avait discuté après Gravity, il y a quand même ce problème, par exemple, avec la station internationale ou même des stations aussi grosses. Il y a quand même nécessité de prévoir le démontage et c'est des choses qui ne sont pas prévues. Donc là, même avec les effets de l'atmosphère, ce n'est pas suffisant pour désintégrer tout. Et là, il y a un problème de gestion en fait, de tout ce qu'on envoie dans l'espace qui est encore... qui est très important. Alors c'est vrai que le défi, ça va être dans quelques années de descendre ce gros morceau qui est beaucoup plus gros. La station internationale est beaucoup plus grosse, je crois, 3-4 fois le poids de Mir. Déjà, Mir était plus de 100 tonnes. Donc là, on arrive à quelque chose de très grand. Alors, là encore, il y a de très belles images, mais heureusement, vous n'aviez pas d'image de descente de Mir, parce que ça aurait été plutôt catastrophique. C'est arrivé à peu près 10 ans plus tard, hein, en 2001. C'était un très gros morceau, mais qui est quand même piloté. Là, on sait faire et ils savent. Alors, vous savez, le cimetière des éléphants de tous les gros engins spatiaux, c'est le Pacifique. Bon, parce que là, il y a des endroits où il n'y a pas trop d'humains, donc il y a quelques poissons qui peuvent griller à l'occasion. On pilote de manière à ce que, au mieux, on tombe sur une zone à peu près connue. C'est évidemment, quelquefois, il y a des choses qui ne tombent pas. Enfin, pas des trop gros morceaux, mais jusqu'à présent, on touche du bois ou de la moquette, ça se passe pas bien, mais c'est évidemment un danger. Et la station internationale, dont vous avez parlé la dernière fois, c'est un plus gros morceau. Et qui dit plus gros morceau, c'est pas tellement une question de taille, à la limite, parce que si ça brûlait bien. Mais c'est que vous avez des endroits, un endroit qu'on a vu à plusieurs reprises dans votre film, c'est ces nœuds, ces endroits où plusieurs bidons se rejoignent. C'est la première image, et peut-être une des dernières aussi, ces nœuds qui vont permettre la jonction de ces différents bidons, évidemment, sont plus solides que le reste. Et alors ça ne peut pas brûler, même en passant à travers l'atmosphère à très haute vitesse. Donc ça, on sait que ça va tomber en entier, et qu'il faut mieux pas être en dessous à ce moment-là. Mais il ne faut pas être, faut être raisonnable, enfin... On a quand même des techniciens, des ingénieurs, des suivis qui se font. C'est des gens qui savent, qui ont aussi plus de 50 ans d'expérience. C'est ça aussi qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'en 1991, on a déjà 30 ans d'expérience de vol habité. Et quand on les regarde, ça a l'air tout simple. Vous dites, où est le problème? Vous voyez ce qu'ils font? Ils brillent. Même ça, votre image de bougie est extraordinaire. Une bougie qui flotte. Enfin, donc il y a quand même une certaine sécurité pour qu'on ose allumer une... Même ici, je suis sûr qu'on n'a pas le droit d'allumer une allumette. Bon, donc vous imaginez, ne le faites pas. Donc il y a quand même un savoir-faire. Ça c'est avec la bougie, c'est déjà un signe, je ne sais pas, de la libération, début de l'époque post-soviétique, parce que normalement, ça c'est strictement interdit. De faire de feu là-bas. Et ça, c'est... Ça, et oui, bon. Ils redeviennent des gamins, là-haut. Ils redeviennent des gamins. Oui, tout ça, oui. Petite question sur la
genèse du film à nouveau. Donc, dans le film, vous insistez beaucoup sur... vous jouez avec toutes les façons dont le temps s'écoule. Il y a des fois le temps est rapide, le temps est lent. Il y a les petits clins d'œil, il y a les durées qui sont précisément indiquées, il y a le 310 jours, il y a les dates, il y a le clin d'œil sur la durée du film qui correspond exactement à la durée de la rotation, il y a le clin d'œil des 27 minutes. Combien de temps il reste 27 minutes, et quand on regarde le film sur écran, on constate qu'il reste effectivement 27 minutes à venir pour le film. Donc, quelque part, vous êtes amusé à mélanger toutes sortes de clins d'œil sur les différentes notions de temps, de date, de durée. Comment est-ce que est venue cette réflexion, et de manière générale, comment est-ce que le fait de travailler sur le film a modifié la façon que vous aviez de voir la narration, l'exercice de narration d'un ouvrage comme ça? Quand j'étais allé à Moscou, à la fin, j'avais vraiment une autre idée dans la tête d'un autre film. C'était de chercher de comprendre la fin de l'Union soviétique. Ça, c'était déjà une grande stupidité. Je me disais, peut-être je vais faire un grand essai historique sur la fin de la guerre froide et la fin de l'Union soviétique d'une perspective spatiale de cette salle. On a commencé pour trouver les images de cette mission. Et avec beaucoup d'aventures, on a aussi bénéficié beaucoup du chaos de la transition immédiatement après la fin de l'Union soviétique. Et pardon, quand vous avez récupéré les images que vous avez récupérées de la... Donc vous avez récupéré des images d'archives, des images tournées sur place et tout ça, vous avez été agréablement surpris de la qualité? C'était mieux, pire que ce que vous attendiez? C'était mieux et c'était complètement différent. J'ai découvert la vérité de cette expérience, qui est une expérience fondamentale, comme, je ne sais pas, au début, chez Colomb, de traverser pour la première fois l'Atlantique, ou comme dans les Moby Dick, ou des choses comme ça. J'ai compris tout de suite que c'est ça... l'importance existentielle de cette expérience extraordinaire, et je me disais, il faut de reproduire ça, de faire le film comme de faire une mise en scène de cette mission, et de donner à chaque spectateur la possibilité de faire ça, de faire une mission, un vol spatial. Et de ces moments-là, j'ai commencé un peu avec de faire une arithmétique temporelle dans la structure. Le film, 92 minutes, c'est une rotation. En même temps, Krikalev, il reste 10 mois dans l'espace et presque un an. C'est pour ça que je montre, le film est rythmé, je montre 4 fois des images de la Terre, de faire du montage de la Terre. Et je groupais cette image de la Terre par rapport aux 4 saisons. Au début, ce sont des paysages de printemps, après, ce sont des paysages de sommeil. Pour l'automne, j'ai choisi cette collection de photos de nuages, et après, ils sont des icebergs et de paysages d'hiver à la fin. Qui sont répartisés pendant toute l'année calendrier qui l'a passé. Mais en vérité, il voit ça dans chaque rotation. Et ça, c'est aussi pendant le film. Et on commence avec tous ces paradoxes et ces arithmétiques très...
assez bien accordé, je ne sais pas. J'ai une dernière, dernière petite question sur la. Donc, au début, vous aviez cette idée, un film sur l'effondrement de l'Union soviétique, après il y a cette expérience. Mais il y a aussi un autre, quelque chose qui rend le film très particulier, c'est le rapport à l'actualité, bien sûr. Quand il revient et que tout le monde lui demande qu'est-ce que c'est pour vous le plus important, les gars sont tous dans le feu de l'action, ils voient les événements et ils vont demander son avis au type qui, de toute la Terre, était le plus loin qu'on puisse imaginer. Vraiment, le gars qui n'était pas là, mais pas là du tout, on demande qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui est important, ceci, cela, cela. Évidemment, il fait la réponse ontologique, c'est les saisons le plus important. Voilà. Au-delà, il y a le rapport à distance par rapport à la politique, mais aussi la réflexion par rapport à l'actualité. Est-ce que le fait qu'on demande son avis au gars qui est le plus loin possible, ça dit quelque chose ? Qu'est-ce que un commentaire ? c'est intéressant ça. En vérité, c'est ce moment dans le film, c'est psychologique assez complexe, parce qu'ils sont des gens du centre de presse de Paris, c'est une conférence de presse avec la station Mir, des journalistes internationaux ici, à Paris. ESA, je ne sais pas, bon. La dame qui demande Krikalev en russe, je crois qu'elle était. La voix, c'est un peu une vieille dame russe blanc, ça, qui probablement était journaliste à Radio Liberty. C'est pas, oui, oui. C'est pour ça qu'elle demande, oui, comme vous savez. Partir, c'était votre ville, était Leningrad, et maintenant c'est Saint-Pétersbourg et tout ça. Bon, et la première réponse de Krikalev, il a dit excusez-moi, vous pouvez répéter la question. J'ai pas compris. Pour gagner du temps et de trouver une réponse. Oui. Parce qu'une chose qui est très claire et très précise dans le comportement de tous ces gens, ils vont revenir dans l'espace. Et pour ça, ils ont un comportement qui est mélangé entre l'homme des sciences de performance et le sportif de performance. Parce que pour être... il faut être sélectionné, comme dans le sport, pour une équipe, une mission qui va aller. C'est une sélection comme pour l'équipe nationale, ouais, mais ce sont seulement 3 places. Ouais. Et pour ça, ils sont vraiment très, très attentifs, comme les sportifs de performance qui vont faire pas de fautes, de mettre en danger leur carrière future. Krikalev est vraiment, il est un très très grand passionné de l'espace. Il est avancé dans la décennie qui a suivi au cosmonaute ou astronaute plus expérimenté du monde, parce que après il avait l'honneur de faire 2 vols historiques. Il était le premier qui a volé comme ingénieur de bord avec la navette spatiale, j'oublie, qui n'existe plus, américain. Endeavour, oui. Et comme ingénieur de vol, c'est-à-dire c'était à ce moment-là le seul ingénieur de vol spatial qui connaît les 2 systèmes, le russe et l'américain. Après, il a fait partie de la mission spatiale historique qui a fait l'ouverture de l'ISS, de la nouvelle de station spatiale. Et maintenant, parce qu'il connaît les 2 systèmes, la collaboration est très proche, elle est maintenant le chef, le directeur de Mission Control à Moscou qui dirige les vols.
Ça, ouais. Très prudent. Très prudent. Mais en même temps, il dit la vérité de la perspective de cosmonaute. La réponse est très prudent et en même temps très juste et très provocative en plus, sans intention, parce qu'il dit en même temps c'est vraiment pas important de cette perspective que toute votre chose historique et politique surtout, c'est pas important ça. Peut-être qu'on va vous donner la parole si vous avez des commentaires ou des questions, aussi bien à André Ojica ou à Jacques Arnoux. Soyez pas timide parce que c'est après, c'est à la fin, vous pouvez plus vous arrêter. Donc, Mais c'est une autre. Oui, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur ça? J'ai vu une. Peut-être c'est vous qui vous intéressez, mais la carte de vol de la station Mir, comme je disais, c'est une spirale avec 16 lignes autour de la Terre. C'est, commence à Baïkonour, c'est en Asie. Et après, c'est, à mon avis, c'est vers le ouest qui ça marche comme ça. C'est chaque fois une. Sont pas le sont les méridiens, c'est autour du méridien. L'orbite, c'est vers le pôle nord toujours et après le. Après le sud, mais on avance comme les méridiens, de l'est à l'ouest. Ouais. Ce n'est pas nécessairement quatre saisons, mais en tout cas, on vit au nord et au sud. Parce que c'est vraiment, on passe dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud dans une même rotation. Donc c'est vrai que ce n'est pas nécessairement les quatre saisons, mais en tout cas... Depuis une saison, on peut très bien être voir effectivement des paysages enneigés en Europe et ensuite passer devant un désert et retomber dans l'été australien. Et c'est vrai que la Terre tourne de plus en plus vite, comme disait la lumière de réverbère. Mais on voit aussi les saisons parce que. Parce qu'on passe par l'hémisphère du nord et l'hémisphère du sud. Et on a les quatre saisons. C'est toujours comme ça. Comme chez nous, c'est été. En Argentine, c'est hiver et à l'envers. Et on a ça pendant chaque rotation. Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que si on est par exemple, maintenant, on est le printemps ici, donc c'est l'automne au sud, mais il n'y a pas d'été ni d'hiver nulle part, si, tout de suite, ou alors je me trompe, je ne sais pas. On est dans les questions techniques. Printemps, moi, j'ai jamais réussi à comprendre ces trucs-là. Je crois qu'il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. Non, d'ailleurs, quand on va. Puis d'ailleurs, quand tu passes entre les tropiques, il n'y a plus vraiment quatre saisons non plus. Donc, oui, on va. Pour ceux qui auraient des questions, autre que des questions météorologie. Moi, j'ai une autre question cinématographique. Ah oui, alors allez-y. D'abord le public, puis après une autre question cinématographique pour mon voisin. Par rapport à ces 92 minutes, donc ce qui serait 24 heures pour notre quotidien, comment est-ce que leur journée, et quelle est la longueur de leur journée, et comment ils sont organisés par rapport au sommeil, au rythme de vie
Oui. La Genève, tout le calendrier, c'est réglé comme ça, comme pendant le vol de longue durée aussi. Il reste dans le calendrier de Moscou. Et là, le jour de travail, c'est 8 heures. Et après, on finit, c'est le temps de récréation, dimanche et dimanche. Quand on a un jour de fête à Moscou, c'est le jour de fête. C'est le calendrier de Moscou et l'heure aussi. C'est comme ils restent chez eux à Moscou. Ouais. En plus, ça c'est aussi drôle un peu entre la science et la science-fiction. Quand ils ont fait ça pour Gagarine aussi, et après pour tous les autres. Ils ont chez eux le passeport soviétique, pour le cas qu'on rencontre du représentant du dieu ou d'autres planètes. Oui, c'est ça, pour se légitimer. C'est pour ça que ça c'était drôle en plus. Kalev, il est devenu vraiment le dernier citoyen soviétique. Et quand il est retourné, il était obligé de déposer son passeport. Tout le pays avait déjà des passeports russes, mais il avait toujours le passeport soviétique. Ouais, c'était une question qui était assez importante au début de l'aventure spatiale, au point qu'il y a eu un traité ou un accord, plus exactement quel niveau juridique, qui a été signé entre les États pour apporter de l'aide aux astronautes qui atterriraient sur un territoire qui n'était pas prévu. Il faut quand même se rendre compte, là, quand on parlait de compétition, c'était, bon, je parlais de coopération, c'était pour mettre le balancier dans l'autre sens, mais... ce qui nous semblerait peut-être aujourd'hui à peu près évident, maintenant, il a fallu qu'on se mette d'accord en disant si jamais un engin spatial atterrit, au lieu d'atterrir dans le Pacifique à les Américains, mais qu'il atterrit en plein Kazakhstan, eh ben, on ira quand même apporter de l'aide, même s'ils ont un passeport étranger. Donc, ça existe quand même. Je voulais juste, à propos des rotations et de leur ennemi, il y a une question qui avait été posée en 2003 par... un colonel de l'armée israélienne qui a malheureusement volé, puisqu'il s'est tué dans l'accident de la navette. Et il avait posé la question aux autorités juives, parce que, puisque le jour se lève, hein, chaque heure et demie, le Shabbat revient plus souvent. Et il avait un problème en se disant, mais s'il faut célébrer le Shabbat, alors calculer, je ne sais plus combien d'heures, hein, ça fait, mais en tout cas, ça faisait un peu souvent. Et donc... Vous voyez le rapport entre la Terre et l'espace, c'est-à-dire que c'est de nouveau des questions de temps. Donc on lui avait dit, écoutez, pour le temps de la mission, vous serez exempté des contraintes religieuses, de ces contraintes religieuses-là en tout cas. Mais c'est des questions qu'on entend certains collègues se poser explicitement, même pour les voyages en avion, hein, à partir de quelle heure il faut commencer le Shabbat quand on est dans un avion. Quand le soleil ne se couche plus du tout, alors ça c'est encore un autre problème. Question cinéma. Cinéma, oui. Question cinéma. Vous nous avez mis quelques images de Solaris, je crois, de Tarkovsky. Alors, évidemment, d'abord, je vous en remercie, parce que c'est un cinéaste tellement merveilleux. Et ça nous rappelle toujours ce merveilleux Solaris, avec la déglingue totale qu'on voit dans le film. Et vous n'avez pas cité Kubrick, là, en revanche, qui est là. Alors, voilà, donc c'était pour parler... J'ai cité Kubrick, oui. Ah, zut, j'ai raté. Oui, mais j'ai cité aussi Kubrick, très, très, très clair, c'est le Vals, c'est tout ça. Ok, ok. Je vous remercie. J'ai cité deux films qui sont, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, le seul film de science-fiction avec un vrai propos philosophique. Et j'ai construit la scène avec la citation de Kubrick. On fait aussi un peu de... d'animation là-bas, que la station Mir se transforme dans
un peu dans l'approximation de la station spatiale de 2001, autour de Vals de Johann Strauss. Qui était. Mais j'étais vraiment tellement surpris, c'était une coïncidence, quand le cosmonaute, astronaute autrichien, il est venu pour une semaine, comme Sherman aussi, les cosmonautes étrangers qui ont venu dans la station Mir, c'était le Krikalev et l'Artsibarski qui sont là-bas. Ils sont, c'était, oui, je crois, parce qu'ils sont venus avec le nouveau commandant, avec le Volkov. Ils sont pensés de faire, je ne sais pas, quelque chose pour saluter les nouveaux qui arrivent. Et c'est toujours cette... rituel, je ne sais pas, de l'Est, soviétique, avec du pain et de sel. Et en plus, ils ont dit, ah oui, l'Autrichien vient, ils ont de musique dans la station, ils ont posé le valse. Par hasard, c'était exactement le célèbre valse de Bleu Danube qui a été utilisé par Kubrick. Et c'est pour ça que j'ai construit toutes ces scènes autour de ça. Et en plus, on a posé comme une animation dans le moniteur de la station Mir, dans lequel c'est Artsibarski qui regarde là-bas, on voit la station de 2001 qui c'est ça. Bon. Avec Solaris, pour le public russe, ils sont beaucoup de références au Solaris dans le film. Toute une série qui sont cachées et d'autres qui sont très évidentes, comme la séquence finale du film de Solaris que je montre ici. C'est comme Krikalev, il voit de fenêtre ça. Mais ils ont toute une... au tout début du film, on voit un tableau. C'est une main qui peint un tableau. Et c'est un cosmonaute qui est Krikalev qui regarde ce tableau. Et devant ce tableau, on voit un autre qui vient de gauche à droite. Et passe. Ce tableau qui vient, c'est un tableau fait par Mikhail Romadin, qui était le peintre pour le décor de Solaris. Il a travaillé pour Tarkovsky à mon film. Et le tableau avec la main qui dessine ça, j'ai commandé à Romadin. Ça, c'est Mikhail Romadin qui a fait le tableau pour le film. En plus, pendant le putsch et la barricade devant la Maison Blanche à Moscou, on voit aussi quelqu'un qui fait des dessins, comme des dessins historiques. C'est Romadin, c'est lui-même qui était par hasard là-bas et a fait ça. Et en plus, la coordination de séquences qu'on a tournées nous-mêmes avec notre caméra dans l'espace, ça c'est le prologue et l'épilogue du film pour lequel on a envoyé une caméra de film, 35 mm, ça s'est filmé. C'était pour la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on a filmé deux séquences dans l'espace pour le cinéma, pas pour la science, pas pour le militaire, pour l'agence spatiale. C'est des séquences cinématographiques. C'est le début et la fin du film. Et signe d'hommage, j'ai demandé Vadim Youssef, qui était le grand opérateur du premier trois films de Tarkovsky, y compris Solaris, c'est Vadim Youssef qui a coordonné ça. Mais vous avez, parce qu'on a coupé ici le générique, vous n'avez pas vu le Youssef, c'est sur le générique, c'est lui le caméraman. Ouais. J'ai une question, s'il vous plaît, excusez-moi, j'ai une question concernant le cosmonaute kazakh, ouais. Parce que j'ai compris qu'on a honoré le Kazakhstan en invitant ce cosmonaute. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des critiques vis-à-vis de lui et qu'il a retardé le retour d'un autre des autres cosmonautes. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui finalement ?
Oui, le cosmonaute de Kazakhstan, qui était aussi un pilote de chasse, il joue toujours avec ses avions. Oui, il est le neveu de Nazarbayev, qui est le président de Kazakhstan depuis toujours, aussi aujourd'hui. Et on voit Nazarbayev à la tribune. Ça. Et dans ce nouveau, je ne sais pas, patriotisme, nationalisme post-soviétique, quoi, dans des raisons patriotiques kazakhs, les Kazakhs ils ont insisté d'avoir aussi leur premier cosmonaute. Que, c'est quelqu'un qu'il vole pour une semaine comme à la place de là. Bon. Et c'est comme ça que le contrat entre ESA, l'agence spatiale européenne, et l'énergie à l'agence spatiale russe pour les cosmonautes chercheurs, oui, comme Sherman, comme l'Autrichien, comme Flade, l'Allemand, ils sont très, très, très avantageux, très lucratifs, parce que ESA, ou le pays du cosmonaute qui va aller comme chercheur dans l'espace, il paye pour il reste une semaine, en général, pendant le changement de mission, et il paye 20 millions de dollars pour cette semaine. C'est un voyage assez cher. Et parce que Kazakhstan, il a insisté d'envoyer le Kazakh, et en même temps, c'était l'Autrichien qui était venu, qui a payé le 20 millions de dollars. On a posé la question à Krikalev s'il est d'accord de rester. On a envoyé le Volkov, le commandant des bords, et deux cosmonaute chercheur, le Kazakh et l'Autrichien. On n'a pas envoyé l'ingénieur de vol pour changer lui, Krikalev. Mais on lui a demandé s'il est d'accord de rester dans l'espace une mission en plus. Et il est très, très ravi parce que normalement, ils ne voulaient pas revenir sur la Terre. Et il a accepté ça. Et c'est pour ça que dans cette mission, on a le Kazakh et l'Autrichien, deux cosmos-chercheurs qui se retournent sur la Terre. Mais le Kazakh, il n'avait pas de programme scientifique. Il était seulement pour représenter le Kazakhstan dans l'espace. C'est ça. Ouais, je voulais juste savoir sur la musique du début qui donne un ton un peu. Je voulais savoir ce que c'est que musique, c'est comment vous avez fait le choix, la musique sur les parties cinéma, si je comprends bien. Un peu C'est mieux si le son est plus fort que c'était ici. Mais c'est très une décision délibérée, ça. Je pensais beaucoup à la musique pendant tout le travail au film. Pour moi, c'était clair, je crois, pour chaque cinéphile, vrai cinéphile, c'est ça. 2000 ans, c'est le film de l'histoire du cinéma avec la plus belle illustration musicale, de score musical de toute l'histoire du cinéma. C'est un film dans lequel le rapport entre l'image et la musique, c'est la perfection totale. On ne peut pas entrer dans une concurrence avec ça. C'est-à-dire parce qu'il a utilisé des morceaux de musique classique qui ont été transformés par lui dans des hits de succès de pop, oui, comme le Vals de Strauss, comme Zarathustra de Richard Strauss, toute cette pièce-là. Pour moi, c'était clair qu'il faut de laisser les mains de pas chercher de trouver d'autres morceaux de musique classique pour ça, de commencer avec quoi, Mahler, ou je ne sais pas, ça devient tout grave et stupide. Après, je me disais que de chercher la musique
caractéristique pour l'époque dans laquelle le vol a eu lieu. Et j'ai trouvé que c'était une parallèle assez bizarre, une coïncidence aussi un peu, je ne sais pas, ironique, entre la nature de vol spatial soviétique et russe et le techno incipient primitif. Parce que là, je ne sais pas, le programme spatial russe, c'est toujours une rencontre entre une mathématique supérieure et de, comme c'est ça en français, du fer brut, c'est ça, c'est de vieux fer, oui, c'est ça. C'est pas high-tech, ça, c'est vieux fer et haute mathématique, c'est ça. Sans technique, c'est seulement la matière brute et l'esprit mathématique, ça fonctionne comme ça. Et le techno incipient, c'est un peu comme ça, ce sont des ordinateurs primitifs, comme de fer brut, et ça, et de, je sais pas, d'une pensée sur la musique électronique qui n'est pas, je sais pas avancée, mais qui risque, qui cherche quelque chose, c'est ça. Je crois que se correspondent assez bien. C'est ça. C'est le techno de début de l'année 70, c'est ça le programme MIR. C'est un peu comme ça. Jacques, tu voulais rajouter un petit... Oui. Un micro-détail, mais justement dans les effets de miroir entre cette belle, ces stations rondes et stations MIR que vous avez choisi de faire, il y a un aspect que je sais avoir entendu assez souvent de la part des cosmonautes, des astronautes, c'est qu'on l'a vu à un moment donné, on est tout le temps en train de réparer ou de construire sur une station. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Oui. Donc là, c'est plutôt ils vont rajouter, on voit cette scène où il explique une structure de 15 mètres pour pouvoir soit réparer, soit améliorer. Et là, c'est intéressant parce que on le voit chaque fois quand on voit la belle roue ronde de Kubrick. Vous savez que la station est en construction aussi. Il y a toute une partie des anneaux qui est vide. Et donc là aussi, le rapport est entre ce qui a pu être imaginé et ce qui a été réalisé. L'aspect d'architecture est un point... je me fais aussi un peu l'intermédiaire de Jean-Pierre. Quand il m'a montré, il était fasciné par les nuages, mais il ne voulait jamais oublier que quand même, on envoie des structures, des architectures tout à fait humaines et élaborées, construites, qui sont parfois un peu rustiques, hein, c'est le jeu de mots à portée des Russes. Hein. Les Russes, c'est rustique, ça marche et ça fonctionne. Ça marche, mais de fait, c'est ce qui vous explique. Hein, c'est que c'est la matière brute, avec aussi, alors ça, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais avec aussi une certaine manière de concevoir la place de l'humain dans les structures, qui est éventuellement assez différente, voire très différente de la manière américaine. Interroger quelqu'un qui a volé avec des Américains et avec les Soviétiques ou avec les Russes, et ils vont dire que la place de l'humain est sensiblement différente. Donc après, c'est des questions de culture, des questions d'époque, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, l'idée de la structure qui est toujours en cours de fabrication. Même quand on jettera, enfin, quand MIR est descendu ou quand la station, elle sera encore quelque part en cours de fabrication. C'est jamais fini. C'est ce que je voulais simplement rajouter. Avant qu'on close, toute petite question pour Andrei concernant l'ensemble de son œuvre et sa filmographie. Alors, on voit sur, par exemple, sur les encyclopédies en ligne, que vous avez commencé en 1992 par un film parlant de regard sur une révolution qui a été classé, c'est ce qu'on dit, par les cahiers du cinéma comme l'un des 10 films les plus subversifs de tous les temps. Alors d'abord, on voit ça, on se dit, fichtre, qu'est-ce que ça veut dire un film aussi subversif? Et ensuite, est-ce que dès le départ, c'était un plan, la mise en scène de questions politiques? J'avais fait... C'est une trilogie sur la fin du communisme, le travidogramme des révolutions, après Out of the Present, et sur le dernier, c'est l'autobiographie de Nicolae Ceaușescu. Et c'est pour ça, parce que,
c'est un lieu commun. Chaque personne elle a une biographie personnelle, une biographie historique. Bon, et, je fais partie d'une génération dans laquelle, à un certain moment, la biographie historique était vraiment très massive, présente autour de, à la fin du communisme. Et, toute une série de gens comme moi ont commencé de se questionner sur ça ou de travailler sur la question de leur biographie historique. Bon. J'avais fait je questionnais ça trois fois pendant trois films. L'un, le Vidéogramme d'une révolution, c'est une approche très actuelle. On a cherché d'analyser les images spontanées, instantanées qui ont été prises pendant les événements. Out of the present, ça c'est une construction poétique philosophique, et ça, le dernier, le Ceausescu cherche d'offrir une fresque historique de toute une époque. Bon, mais pour tous les trois, la chose qui m'a fasciné du début, qui était donnée par cette aspect spécial de la révolution en Roumanie, qui était c'était la première, on dit, révolution télévisée, a eu lieu dans les studios de télévision, et toute une série de caméras de vidéo ont enregistré cet événement. Ça, c'était pour la première fois qu'on avait à la disposition un changement violent, révolutionnaire, enregistré dans des images en mouvement. Et ça, c'était le point de départ. Et à partir de ça, toute mon œuvre jusqu'à aujourd'hui, c'est autour de cette question fondamentale qui représente les archives d'images. Les archives des images sont des... Chaque image en mouvement, c'est une conserve du temps. C'est Godard qui a dit une fois entre beaucoup de choses intelligentes qu'il a dit, il a observé ça très très bien, que chaque film de fiction, c'est en vérité un documentaire sur les comédiens, sur les acteurs qui jouent ce film. C'est ça. Les familles de ces comédiens, ils vont regarder toujours ce film comme un documentaire sur son père ou sur son fils, ou sur ça, qui reste toujours à cet âge-là. Et à partir de ça, je suis vraiment très, très fasciné de cet aspect. Après beaucoup de travail avec les archives et de recherches, je fais la découverte qu'il existe un moment précis dans l'histoire du XXe, à partir duquel on a suffisamment d'images enregistrées en mouvement pour chaque événement important de la deuxième partie du XXe siècle. Si on fait des recherches, on peut reconstruire chaque événement important, politique ou culturel, de la deuxième moitié on peut reconstruire ça en utilisant seulement d'images authentiques, sans avoir besoin de faire une mise en scène. On peut faire une mise en scène par le montage, sans de construire de décors artificiels autour de ça. Et ce moment très précis, c'est la débarcation des Alliés en Normandie, en juillet 1944, dans lequel l'armée des Alliés, on avait aussi une photographic unit, un régiment une compagnie d'opérateurs sur la commande de John Ford qui ont filmé avec 418 autour de ça caméras
la débarcation. Toute une série, la moitié de ses caméramans ont été tués. Et John Ford, il était jamais capable de faire le montage de ces films. Il a dit, si j'ai fait le montage de ces films, c'était la déclaration qui a fait très tardive, c'est-à-dire que dans ce cas-là, je vais annuler tout mon œuvre antérieure. Ouais. Et cette matériel n'était jamais montée. C'est Spielberg qui a étudié ça, et le premier 20 minutes de Saving Private Ryan, qui sont les seules bonnes minutes de ce film, ça c'est vraiment une copie, il a étudié dans l'archive de l'armée américaine les images de Ford. Bon, et à partir de ce jour-là, pour chaque événement important jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui ça, c'est une inflation énorme d'images, c'est trop, on peut faire une reconstruction comme ça. Et ma décision est d'utiliser cette image, c'est une décision esthétique, c'est pas idéologique, c'est pas une chose qui tient du film documentaire classique, qui normalement c'est un discours secondaire, c'est comme un article sur quelqu'un. Un film documentaire, c'est un essai, un article, un commentaire sur quelques événements. Mais ce qui m'intéresse, c'est comme d'utiliser des conserves de temps et de reconstruire avec cette conserve de temps un discours primaire. Ouais. Ça s'est passé dans la littérature. La littérature, c'est toujours, d'un point de vue narratologique, avant le film, ça c'est clair, elle est plus vieux. Dans la littérature moderne, c'est John Dos Passos, non, qui a fait dans sa trilogie sur l'Amérique. Il a fait pour la première fois un roman construit seulement dans un montage de fragments de journaux et de faits divers. Ouais. Et et dans le projet actuel dans lequel je travaille, je veux faire un pas en plus. J'ai quelques acteurs qui vont être filmés avec green screen et après introduits dans les images d'archives. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose. Oui. Comme chaque fois, je vais vous proposer qu'on se retrouve autour du cocktail et puis on va pouvoir continuer à discuter. Juste avant, voilà, 4 minutes, les 4 minutes littéraires quand même, hein, et après on pourra boire un verre. 3 livres en 4 minutes. Alors, juste pour dire, pour ceux qui ne seraient pas équipés, que j'ai dans le couloir la Maison des mathématiques, avec entre autres Jean-Philippe Uzan et Cédric Villani qui participent. Donc voilà, si jamais vous voulez compléter votre collection. Alors, ce n'était pas forcément évident de lier politique, espace, etc. Donc, je vais sortir deux classiques et un chouchou, comme d'habitude. Premier classique, Robert Heinlein, Révolte sur la Lune. Alors, c'est un... comment dire ? La Lune est transformée en bagne où on a béné les prisonniers politiques, les criminels. Qui sont des sous-citoyens où tout se paye, on achète même l'air qu'on respire, etc. La Terre est très très loin, il y a un rapport très compliqué aux lois parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien, de toute façon ils iront nulle part. Et puis ils ne peuvent pas retourner sur la Terre parce que la gravité, ils ne supporteraient pas. Donc on a une société complètement différente, libertaire, etc., qui essaye de se libérer du joug de la Terre et notamment de cette pression économique. C'est un petit manuel d'agitation politique pour monter des cellules, pour écrire des pamphlets, pour utiliser la répression, pour catalyser les colères, etc. C'est un texte de 60 Suisses, donc qui est un peu daté sur certains aspects, notamment celui des personnages féminins. Mais il faut savoir que le personnage le plus intéressant, et c'est ça qui est super intéressant, c'est Mike. Et Mike, c'est un super ordinateur
qui rêve d'être humain, et pour lui, le summum de l'humain, c'est l'humour, et donc il passe son temps à faire des farces, mais qui ne sont pas toujours hyper drôles pour les gens qui l'entourent. Et quand on a Mike dans la poche sur la Lune, c'est plus facile pour aboutir à une révolution. Le deuxième livre, c'est Dr. Blood Money de Philippe K. Dick. Alors, pour ceux qui n'ont jamais lu de Philippe K. Dick, c'est un excellent livre pour commencer. Ceux qui connaissent déjà Philippe K. Dick, c'est un excellent livre aussi. Docteur Blood Money, c'est pareil, raconter un K. Dick, c'est pas évident. Le rapport avec le film ici, c'est qu'on envoie un cosmonaute sur Mars. Ça se passe pas très bien. Du coup, il se retrouve satellisé autour de la Terre. Et au sol, la catastrophe arrive. Le bouleversement se produit, les bombes tombent, on ne sait pas ce qui s'est passé, chacun a sa propre explication. Et il y a quelques survivants qui s'organisent, mais mal, et c'est compliqué, et des survivants un peu étranges. Il y a un enfant mutant avec des pouvoirs étranges, il y a une dame complètement névrosée, il y a son psy, il y a un paranoïaque convaincu que tout ça c'est dans sa tête et c'est son inconscient, et des gens normaux selon K. Dick, c'est-à-dire complètement cinglés de toute façon. Et l'organisation de la Terre se fait autour de ce cosmonaute qui devient une espèce de super DJ qui émet en permanence une radio avec des textes lus, des morceaux de conversation, qui fait les petites annonces, etc., et qui aide un peu les survivants à se remettre. Et enfin, le dernier, mon chouchou, Le Dernier Monde, de Céline Minard, avec un gros clin d'œil au film, puisque dans les 50 premières pages, ils passent leur temps à dire qu'il faudrait qu'on range la station. Et qu'effectivement, apparemment, il y avait besoin. Donc, même résumé, un cosmonaute qui est dans une station, lui, il refuse de descendre quand on lui donne l'ordre. Et quand il décide enfin de descendre, parce qu'il n'y a plus de communication depuis trop longtemps, il découvre qu'il est le dernier homme, en fait. Il s'est passé quelque chose sur Terre, il est tout seul. Et alors ça, c'est dans les 50 premières pages. C'est-à-dire qu'ensuite, on a 400 pages d'un mec tout seul qui se pose la question de « mais qu'est-ce que c'est être humain ? Qu'est-ce que c'est être le dernier ?» Qu'est-ce que c'est que cette solitude et qui s'invente des stratégies en fait pour éviter la folie, donc trouver des interlocuteurs, et s'il n'y en a pas dehors, et ben on va les trouver à l'intérieur de soi, avoir un but. Il se lance dans une espèce d'énorme fresque barbare où il va marcher sur Oulan-Bator à la tête d'une armée de 60 000 porcs, enfin, quelque chose de complètement ahurissant. C'est servi par un style magistral, magnifique, la narration est complètement au service de ce qui se raconte, la langue se délite en même temps que le ou les personnalités du cosmonaute en question. C'est absolument magnifique, c'est écrit par une femme, j'y tiens, et voilà, enfin, si vous devez partir avec un livre ce soir, c'est celui-ci, Le Dernier Monde de Céline Minard. Merci. Merci à tous, bonne fin de soirée, on se retrouve La librairie Caribde. Merci.